les amis, comme tous les vendredis, voici le résumé de la semaine. C'est-à-dire que on a pris lundi, mardi, mercredi, jeudi, et on est vendredi, on coupe tout ça, on compresse à petit, petit. Et puis maintenant, je vais raconter ce qui s'est passé. Hey! Voilà, donc en plus, il faut faire ça. En même temps, il y a les clients, hein? Il y a les clients qui viennent, donc tu dois quand même camoufler. Voilà. Bon. Hey, les amis, on est vendredi, hein? Donc, comme tous les vendredis, voilà le résumé de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, voilà, on va tout te raconter ici. Donc, tu restes online, hein? Bon, ceux qui travaillent dans les boutiques, là, les gens qui sont les boutiquiers, vous savez comment c'est difficile en boutique. Quand tu es là-bas sous la caisse, il y a des tas et des tas de poussière qui traînent. Heureusement qu'il y a certains d'entre vous qui prennent le soin d'aller passer un petit coup de chiffon. C'est pour ça qu'aujourd'hui, là, j'ai décidé de faire un big up à Mademoiselle Claire. Parce que Mademoiselle Claire, elle a pensé à aller nettoyer derrière la caisse. Parce que des fois, les techniciens, quand ils viennent pour charger les trucs, c'est là, la poussière commence à éternuer, à être allergique. Big up à la boutique de Limoges. Charlotte nous a envoyé un truc là qui fait que vous êtes vraiment complètement corporate avec la COP21. Tu m'as compris? Vous êtes corporate avec la COP21. Big up à vous. Je dis, hein, il y a des gens là qui sont allés se promener dans un coin. Ils ont fait un after work. On a dit que Karim, Gauthier et comment il s'appelle? Ludovic. Mais vous étiez même où? On a vu la photo, mais vous étiez où? Dites-nous la vérité maintenant. Les mouvements de la semaine. On a Azam qui a quitté la vente, il est allé à l'UPR. Facturation. Sally, Ben et Jenny ont quitté la vache noire pour aller chez les pros. Vous connaissez Florence? Florence est devenue la fille la plus connectée des agrumes. C'est-à-dire que même dans sa cuisine, c'est connecté. Florence, toi, quand est-ce que tu nous fais quelque chose, on vient chez toi pour l'after work. Hein? Réfléchis bien. Cette semaine, il y a eu... comment on appelle ça? Comment on appelle le jour où on doit manger des crêpes? C'est? Voilà, la chandeleur. Vous avez entendu? En cœur, ils ont répondu. La chandeleur. Donc, tout le monde a eu mangé des crêpes. Mais moi, j'ai constaté qu'il y avait de super crêpes qui ont défilé là sur le fil d'actualité. Principalement celle d'Aurélie. Aurélie, tu sais que tes crêpes-là m'ont donné vraiment envie. Est-ce que vous avez vu que le palmarès du mois de janvier est sorti? Donc, voilà, ça se tient. Mais il y a des petites entrées. Moi, j'ai repéré que Paolino Stress, elle est entrée dans les influenceurs. Bon, moi, je le sentais parce que elle est tout le temps en train de liker, de poster, de commenter. Moi, je disais, ça arrive, ça arrive. D'autre part, Leïla, avec son post là sur la phrase de 2016, là, c'est en train de talonner Céline, hein. 2000 et quelques, non, c'est très bien. Continuez comme ça. Moi, j'aime quand il y a de la profusion. Bon, il y a certains qui vont dire que, ouais, on dit que des conneries dans ce groupe. On ne dit pas que des conneries, on dit des choses qui nous défoulent. Hein? Comme par exemple, là, maintenant, je vais dire, regarde, c'est pas que je mens, regarde ce que j'ai reçu. Regarde, je mets à la caméra. Tu as vu? La caméra dit quoi? Ça dit que Plaza m'a félicité. Tu connais Plaza? Plaza, c'est le Facebook interne, non, parce que c'est mieux de dire que Facebook, c'est le Plaza externe ou Plaza, c'est le Facebook interne. Et ils m'ont envoyé un cadeau. Regarde, cadeau. Plaza, la vie n'est pas belle. Tu mets ton café ici, tu remues, tu bois. Voilà. Merci, Plaza. Pourquoi tu rigoles? Ne rigole pas. Hey, j'ai le diplôme. Hein? Diplôme ici, c'est signé par le patron. Hein? Lis un peu, regarde. Voilà, tu crois que ça arrive comme ça? Ce sont les patrons qui m'ont envoyé ça. Voilà. Dans l'autre style, on ne lâche pas à Nice. Il ne faut pas lâcher à Nice. Il faut continuer à voter pour elle. Moi, j'ai vu des postes passer avec ceux qui ont gagné le challenge, qui vont partir en Afrique du Sud, je crois. Mais bon, personne ne m'a envoyé un MP pour dire « moi, je pars ». Bon, j'espère que, bon, quand vous allez regarder la vidéo de la semaine, vous allez vous dire « ah, ben c'est vrai ». On pourrait quand même dire à Christophe que, bon, on a gagné. Moi, je serais content de savoir quels sont les amis qui ont gagné. Parce que quand vous allez aller là-bas, n'est-ce pas, vous allez nous montrer les vidéos de ce que vous faites, que vous êtes à la plage, vous êtes là, vous êtes ici. Donc, si tu envoies avant, nous, c'est même bien, on peut s'amuser avec, quoi. Voilà. Dire, même te dire félicitations, parce que tu as quand même mérité, hein. Bon, voilà. En attendant, les amis, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end. Bon courage à ceux qui vont bosser demain et on se dit à la semaine prochaine. Bye bye.